Bonjour à tous, c'est la 4e édition du Bel Été solidaire et olympique en Seine-Saint-Denis. L'occasion pour tous ces habitants de profiter juste en bas de chez eux de festivités, d'activités culturelles et sportives. Une édition riche cette année avec plus de 700 activités offertes proposées sur tout le territoire, dans les parcs départementaux comme dans les stations d'été. Nous sommes ici au parc Georges Valbon, un magnifique parc de plus de 400 hectares à La Courneuve. Bonjour Hélène. Bonjour Céline. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles activités vous avez prévues pour ce bel été solidaire dans ce magnifique parc Georges Valbon ? Alors on organise tout un panel d'activités, plutôt par pôle. On a un pôle où il y a une piscine et des activités sportives. Autour de cette piscine, on a développé des activités plutôt pour les tout-petits avec des jeux sensoriels. Voilà, avec des jeux de transvasement, de sable et d'eau, et puis des initiations à la nage. Et puis en face, on a tout un panel d'activités plutôt sportives cette fois-ci, avec des activités aussi atypiques que de la grimpe d'arbres ou du trampoline ou un mur d'escalade de 8 mètres. On a aussi des sports collectifs. Et puis on a aussi des activités plus de ce type sport urbain avec du parcours et du double dutch. Et on a les week-ends, des activités un petit peu plus, des rendez-vous un peu plus culturels avec tous les dimanches, un spectacle de cirque, les activités de la ludothèque qui proposent des parcours pieds nus, entre autres. Et justement, Hélène, nous sommes quasiment à un an tout pile des Jeux Olympiques de Paris 2024, en tout cas du démarrage. Et ce soir, on fait un clin d'œil à ces Jeux Olympiques ici au parc Georges Valbon avec les Olympiades culturelles. C'est en fait un trois concerts qui réunit trois orchestres et compagnies qui sont que des artistes du territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est pas toujours évident d'avoir des activités de ce type sur le département. Et là, franchement, ouais, merci beaucoup parce que c'est top. Et que ben, pour les enfants qui partent pas forcément en vacances, et ben, ça leur permet justement de voir autre chose que l'école, que le centre de loisirs. Donc merci au département. Là, je vais grimper tout en haut de l'arbre. Après, je vais faire d'autres activités. On s'amuse trop ici, c'est trop bien. J'ai préféré la piscine. Bonjour, monsieur Troussel. Bonjour. Alors, après 3 ans d'existence, on peut dire que le Bel Été solidaire et olympique s'est imposé comme le rendez-vous estival en Seine-Saint-Denis. Oui, le département a voulu cette initiative, a créé cette initiative il y a déjà 3 ans, pendant une période de confinement, pour offrir un temps de respiration aux habitants de la Seine-Saint-Denis. Et depuis, c'est un peu le moment, le rendez-vous phare de l'été en Seine-Saint-Denis, avec plus de 700 activités culturelles, sportives, de loisirs, de sensibilisation à l'écologie dans les parcs et jardins de la Seine-Saint-Denis. C'est un moment aussi pour permettre à des habitants de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas forcément tout le temps la chance de partir en vacances, eh bien, d'avoir de belles activités durant l'été. Alors on va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024, ça sera dans un an quasiment tout pile. L'occasion de parler des sites de célébration, puisque le parc Georges Valbon en sera un. Exactement. Ici, le parc départemental Georges Valbon va accueillir le principal site de célébration des Jeux en Seine-Saint-Denis. Ça va être des Jeux ici grandeur nature, dans ce parc de plus de 400 hectares. Et donc on va pouvoir vivre une expérience unique dans un skyliner qui permettra à 80 mètres de hauteur de découvrir la Seine-Saint-Denis vue du ciel. Il y aura un espace pour, bien sûr, des ateliers sportifs, skatepark, des possibilités aussi avec notamment le lac d'activités nautiques, mais également des concerts exceptionnels sur une scène dédiée. Et puis encore, pendant plus de 17 jours, des activités autour de la sensibilisation à l'écologie, avec une volonté de notre part que ce soit les activités éco-responsables. Donc oui, ça va être un grand moment. Et ce site de célébration, la veille de l'entrée de la flamme olympique dans Paris, eh bien, on l'accueillera ici et on inaugurera notre site de célébration, ce live site. Donc ça va être un grand moment dans ce parc départemental pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. Le Bel Été solidaire et olympique, c'est jusqu'au 9 septembre dans toute la Seine-Saint-Denis. Vous retrouvez évidemment le programme sur le site du département. Je vous souhaite un très bel été, profitez-en bien et je vous dis à bientôt.